Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Fit Process Show pour parler de l'actualité du mois de juin. Donc on va démarrer par le SID, donc le Strengthening Dep qui s'est passé au début du mois. Ensuite on va parler un petit peu des French Rodarn, on va parler aussi des Last Chance Qualifier. Et ensuite on aura un petit débat sur la communauté dans le CrossFit. Et en parlant de communauté, on a du monde aujourd'hui, donc jingle. Donc dans ce nouvel épisode, on a trois nouvelles personnes qu'on n'a jamais vues dans l'épisode du Fit Process Show. Donc on va les présenter. Mais est-ce que vous savez comment ça se passe pour présenter quelqu'un ici? La FP. La FP, la Fast Presentation. Le principe est simple, je vais vous poser plusieurs questions, il faut répondre le plus vite possible. Du coup, on va commencer avec Dino et on va faire sortir Rome et John pour pas qu'ils anticipent et qu'ils essayent de gagner par rapport à Dino. Ciao les gars. C'est tout que John a révisé déjà pendant les anciennes vidéos. J'ai l'impression qu'il connaît déjà les réponses. Moi je suis le chrono, c'est ça? Ouais. Ah, il regarde, hein? Les gars, on n'écoute pas, hein? Pas un bruit dans la salle, parce que... Ok, t'es prête? Je suis prêt. Allez, top. Nom, prénom, âge? Dino Sana, 33 ans. Début dans le CrossFit? 2014. Ton mouvement préféré? Muscle up. Ton mouvement détesté? Deadlift. Le sport pratiqué avant? Taekwondo. Top. 14 secondes 24. Ok, 14 secondes pour Dino. Rome, tu peux rentrer. Pas de bégayement, pas d'hésitation. On est pas mal. Bonjour. Bonjour, nice to meet you. Nice to meet you, tout. Un américain. T'es prête? Top. Nom, prénom, âge. Romain Herrerias, 30 ans. Mouvement préféré. Snatch. Le mouvement détesté. Burpees. Le sport pratiqué avant. Jiu-Jitsu brésilien. Et le début dans le CrossFit? 2015. Top. 13,59. Tu m'as passé devant. Oh, John, il est dans la merde. Ça a changé l'ordre un peu. Pourtant, t'avais des noms qui étaient plus longs que le mien. Ouais, c'est vrai qu'il y a Dino Sana, c'est mieux que Romain Herrerias. 13,59 et 14, combien? Non, oui, et 14,24. 24, parce que là, j'ai l'impression que ça va se jouer au centième près. Ok, John, tu peux rentrer. Nice to meet you. See you. Ah non. Ah, ça c'est bye. T'es prêt? Attends, oui. Ready. Attention. Top. Sport pratiqué avant Football. Le CrossFit. Va plus vite. Le mouvement détesté. Alors, aucun. Le mouvement préféré. Thruster. Nom, prénom, âge. Colombel Jonathan, 35 ans. Et 2014. Ah, il nous a tourné, lui. Est-ce qu'on lui met une pénalité? Mais non, je suis les Fit Process Show. Ok, parfait. D'ailleurs, c'est très bien. 11-21. 11-21, donc grande victoire, John. John, grande victoire. Qui détient le record? Grande victoire. Ah là, oui. Merci. Très bonne passe. Enfin, ça fait une passerelle. Je vous explique pourquoi. On a un jeu à la fin de cette vidéo. Donc, je pense, Dino, ça va être dur pour toi de jouer. Je sais pas si tu as suivi un peu la chaîne Fit Process. Un peu, ouais. De loin. Tu pourras jouer alors. On a un jeu, ça va être simple. J'ai plein de questions sur la chaîne YouTube Fit Process. Donc ça concerne les vidéos, les personnes, le contenu, des trucs comme ça. Et du coup, un point si je donne la bonne réponse. Je vous expliquerai les règles au moment du jeu, mais ça se passera à la fin de la vidéo. Du coup, on va parler un petit peu du Strengthening Dep qui s'est passé au début du mois. On avait pas mal de Français sur cette demi-finale. Je vais redonner les classements rapidement. Donc, chez les gars, on a Willy qui a terminé premier. Ensuite, on a du coup, en deuxième, Guillaume Briand qui a terminé cinquième. Antoine Dumas, huitième. Elliot Genin, 19e. Et Alexandre Pinsol, 24e. Et chez les filles, on a Marie qui a terminé 9e. Et Métis, 16e. On va parler un petit peu des moments un peu qui n'ont pu nous faire vibrer. Moi personnellement, le moment que j'ai bien kiffé, c'est quand Willy sur l'event 2 il est remonté parce qu'il est parti à un bon pace et il a fait une remontada. Personne ne le filmait, personne ne le suivait et d'un coup il est apparu et fait claquer les snatchs. Je sais pas, vous de votre côté, quel event ou quel moment? On peut commencer par Kako. Moi j'ai bien aimé ce moment là parce que du coup, ouais, comme tu dis, c'était la stratégie un peu. J'ai bien aimé le WOD d'Eliott. Sur lui où il y a les pistoles, il me semble. Bah, c'est le même, c'est exactement le même. Sauf qu'il était passé juste dans la. En fait, personne l'attendait et personne ne le connaissait jusque-là. Donc, du coup, j'ai trouvé qu'il avait fait vraiment un bon WOD et. Ok. Ouais, j'ai bien aimé ça. Ah, puis je pense qu'il aurait été dans le hit des. Il aurait fait encore mieux. Bah, ouais, je pense qu'il aurait été encore un peu mieux. Il aurait bataillé avec Willy et puis je sais plus qui c'était, les deux autres, mais. T'avais Guillaume Brion et Koski qui se tirent à la bourre et Willy qui repassait dans la bataille, il aurait pu même peut-être gratter encore un peu des secondes. Donc, ce moment était pas mal. Moi, j'ai bien aimé la finale aussi.
Okay. Parce que c'est toujours un peu stressant quand tu joues ta qualif. Guillaume, ouais, il est passé pas loin de la correctionnelle. Ouais, il s'est joué pas loin, à deux points. Il était troisième avant la finale, il passait cinquième. Ouais, et exactement, donc il avait beaucoup d'avance et c'était limite. Pour rappel, le WOD de cette finale, c'était 21-15-9 à faire sur de l'éco-bike, des thrusters et des burpees. L'enfer. Burpees sans saut. Là, sans c'était, saut. Ça c'était, des c'était des burpees marche. Ouais. Non, mais au moins, si tu voulais. Hein. Oui. Mais au moins, j'ai sauté un pied à pas de l'autre. Sur le standard, c'était clair. Le risque du standard. Je pense qu'ils ont tous fait step over. Non, pas tous. Mais ceux qui ont pas fait ça, ils sont cramés. Pour la petite anecdote, Elliot, il m'a dit, lui, il n'arrivait pas à faire en marchant parce que ça le perdait sur son mouvement. Du coup, il n'a pas cherché, il a fait en sautant. Ah, mais du coup, il a plus galéré. Bah, je pense qu'il s'est cramé un peu plus. Et je ne vois plus rien non plus. Ce WOD, il est assez dingue. Moi, c'est celui qui m'a marqué le plus parce qu'on se rend compte que même pour les personnes qui ont l'habitude des compétitions, il y en a, j'ai l'impression, ils ne savent pas faire payer. Parce qu'un WOD comme ça, tu payes quand même. Tu n'es pas obligé. Ah, bah non, tu es obligé. Et là, je ne sais plus qui est-ce, mais qui part sur l'écho, je me suis dit, oh lui, soit il est très très bon. Après, c'est peut-être des prises de risque en fonction de classement. Ah bah oui, c'est sûr. Faut que je tente quelque chose. Mais c'était quoi 60. Et c'était c'est 60 kilos. Au final, c'est peu technique pour des gens comme ça. Une plate. Faut aller vite, mais faut quand même se connaître, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc ouais, moi c'est vraiment ce vote que j'ai aimé. J'aime bien les mots. Toi, Rome, t'en as regardé ou pas des... Moi j'ai suivi surtout la première journée, ouais, le WOD 2, mon préféré. Je l'ai testé un petit peu à la maison. Compliqué de tenir dans le time cap. Avec les snatchs. J'ai suivi un peu de loin, j'ai surtout suivi la première journée et j'ai moins suivi la fin du week-end. Parce qu'en plus, c'est un snatch, ils étaient à la short bar. Donc ceux qui ont l'habitude d'être très large, ils pouvaient pas popper au niveau des hanches. Bah, t'es obligé de descendre au niveau des cuisses. Ça change un peu le mouvement. Les viandes swing, c'est pas ici. Ouais, les swing. Ok, voilà pour le Strengthening Depth. On va passer au French Showdown qui s'est passé là il y a une semaine. Au moment où on tourne cette vidéo. Toi, Dino, du coup, t'es venu du Canada, parce que pour rappeler, du coup, ouais. Dino est de Lyon à la base. T'es allé vivre au Canada, bosser là-bas. Et là, du coup, t'es venu pour le French, puis pour voir un peu la famille. La familia. Petite éclipse, ouais, c'est ça. C'est quoi la question pour moi? Qu'est-ce que t'as pensé du French Showdown? Est-ce qu'il y a un moment que t'as bien aimé, la chose que tu devrais... Moi, j'ai vraiment aimé. J'avais fait 2015-2017 en équipe avec CFL et la Pieg. J'ai une petite... j'ai un petit truc qui m'a marqué. De toutes mes orgas, c'est ma meilleure. C'est la seule fois que je suis un div. Moi, j'ai vraiment bien aimé ça. Juste programmation, pour moi, difficile. Mais à mon niveau. Non, mais j'étais à mon niveau. Pour vrai, tous les watts, je suis à mon niveau. Mais c'est ça, la programmation pour un gars comme moi, beaucoup d'ergo, beaucoup de temps limite. C'est pas trop les profils de WOD qui... Non, ouais. Meilleur la qualif pour moi que la finale. Mais sinon, non, c'était top. L'organisation, tout. Okay. Tous les Québécois veulent revenir. Bon. Ah, il y avait du monde qui était venu. Nous, on était... Attends, Marie, Alex, Nana, 3, 4... On était 5 de notre salle. Plus Dubreuc, plus il y avait des gars d'Alma, ils étaient deux, il y avait Nick Gaudreau, ils étaient nombreux. Ouais. Puis la plupart veulent revenir, tu sais. Parce que le French, mettons que moi j'ai fait WODA, t'as fait aussi, c'est la seule compète de ce niveau où t'es considéré chaque catégorie comme une catégorie entre guillemets. Élite. Tu sais, t'es filmé, t'as des photos de toi, t'as le berger qui vient récupérer les gens, tu sais, c'est vraiment bien organisé. Dans d'autres compés comme WODA, si t'es pas élite, tu peux pas faire. C'est, on n'en a rien à foutre de toi. C'est le peuple. Ouais, t'as les élites qui sont vraiment chouchoutées et puis t'as les autres KT, c'est. Vraiment. Ils font juge. À l'arrache, quoi. Ils font juge aussi. Tu chauffes le public. Ouais. C'est ça. Pour vous deux, Flo et John qui étaient présents sur place mais qui. Enfin, vous n'avez pas fait la compète, quel moment vous a un peu plus marqué qu'est-ce qui. Moi j'aime bien les WOD un peu classiques, donc j'ai bien aimé le Thruster Burpees. C'est un WOD simple mais qui,
qui fait mal. Efficace, exactement. Donc, bah, pareil, il fallait prendre le bon rythme dès le début. On a vu beaucoup de... Souvent, moi, je m'amuse à regarder le premier tour, le temps qu'ils mettent, et puis le temps total à la fin des 6. Et tu ne multiplies pas par 6. Toujours... Ah non, tu ne fais pas un fois 6, c'est rare, très rare. Ah, sinon, c'était 6 minutes. Hein. Mais souvent, ceux que tu fais fois 6 et que c'est pas loin, souvent, ils sont pas loin d'être dans les premiers. Voilà, et... C'est-à-dire qu'ils ont bien géré leur watt. Donc ouais, moi, celui-là, j'ai bien aimé. C'était cool. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ce que vous aviez abordé là, au Fit Process Show le mois dernier. C'est le fait qu'il y ait 3 jours de compé, mais que ça ne soit pas un volume extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, nous, à 100%, il y avait Marine qui était en 35-39. Et les gens, quand ils lui parlaient, qu'elle disait « on a fait 3 jours, oh, c'est énorme !» Parce qu'en fait, ils voient que par jour, il y a 4 WOD. Alors que là, non, elle a eu 3 WOD, 2 WOD, 2 WOD. Donc ça, j'aime vraiment. Et ce que j'ai aimé, c'est le fait que les WOD... Ça cherchait pas à éclabousser, à dire c'était des trucs de fou, et on le voit le WOD de la finale. C'est ça. Personne l'a aimé. C'est bête à dire, mais avec les gens que j'ai discuté, personne l'a aimé, mais c'est efficace. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Et ouais, WOD Froster Burpees, c'est un bon WOD où on voit un peu ce qu'il en est. Tu vois, pour rebondir avec ce que tu as dit, c'est vrai qu'on avait dit avec Alexis dans le dernier Fit Process Show que c'était bien d'avoir du temps pour, enfin, de pouvoir passer du temps avec ses amis et tout ça. Et c'est vrai que le fait que la compétition termine tôt, parce que mine de rien, à 17h30, le grand max, ouais, les élites terminaient, mais 17h30, dans VKTRX ou quoi, tu finis à 16h, 15h. T'avais quand même le soir, tu pouvais profiter avant d'aller te coucher. Et carrément. Faire un karaoké, un truc comme ça. Voilà, faire un karaoké. D'ailleurs, je vous invite, on sortira du coup le débrief et le vlog du French Rodin avec la Team Fit Process. Donc, on fera un petit débrief avec Flo de qui a participé, de quelle salle par rapport à la programmation Fit Process, avec des petits insides. Et justement, vous verrez qu'on est assez bon au karaoké chez Fit Process. C'est quoi ton anecdote, toi? Ah ouais. Ah oui, il y a une anecdote de Flo. C'était la team quand Dino était en team avec Kay. je me rappelle d'un WOD où il devait faire des chests en synchro. Et du coup, le débat était au début du WOD. C'était à l'époque, hein, c'était savoir s'il faisait keeping ou butterfly, parce que à cette époque-là, c'était pas encore. C'était en quelle année? 2017. Je crois que tu m'en as pas encore réglé, ils étaient pas vraiment synchro sur du butterfly, donc ils hésitaient un peu. Et le WOD commence, donc moi j'étais dans le public, je regardais, et là je vois Dino qui fait du butterfly, mais Pierre qui fait du keeping. Forcément, ça commençait pas par ça. Ouais, ça commençait pas par ça, mais quand ils arrivent dessus, ils font ça. Et je vois, donc nos rêves forcément, ils se parlent pendant peut-être 15-20 secondes, tu vois, ils mettent du temps, ils se parlent et tout le week-end, et ils repartent, Piex et du butterfly, Dino et du keeping. Et là, je me suis dit, ah, ils sont c'était là. L'enfer. Et là, c'est. L'enfer, et après, ils ont galéré. Et du coup, il fait des compètes en Indien. C'était 30 squats clean, tu splits comme tu veux, 30 burpees facing, synchro, 30 chest to bar, 20-20, 10-10. À genre 90 kilos, dans ce temps-là, 90 kilos, tu tremblais. Puis les gars d'à côté, il y avait David Charin qui est Mentalia, là, Simon. Ouais. Il faisait ça à 5 touch and go. C'est genre, ils étaient au rang de 10, on était encore dans les 30 chest to bar. En train de discuter. on mettra une petite. Mais ouais, non, c'était pas mal. Description du Québécois, parce qu'on rentre de 10, on ne comprend pas du coup. Ah, oh, autour de 10. Ok, donc c'est bon pour la page des French. Maintenant, on va parler de la chaîne Qualifier qui a eu lieu, c'était la veille de cette vidéo qu'on est en train de tourner. Est-ce que vous avez suivi un peu les gars ou pas? Il y avait 4 WOD pour rappeler. Donc, le premier WOD, on avait un enchaînement où c'était des fenêtres. Il fallait faire du coup des thrusters et un max de muscle up dans le temps restant. Un peu de récup et ensuite on inversait. Donc, il fallait faire des muscle up et max de thrusters dans le temps restant. À souligner la perf qu'on a vue, qu'on peut voir même sur YouTube, de Royce Dunn, qui a fait donc l'Australien. Il s'est pas posé de questions. Qui a fait 20 thrusters unbroken et après. C'est un thruster à 84 quand même. Ouais. C'est pas des thrusters à 43 kg. Voilà. Mais quand tu regardes la vidéo, t'as l'impression que c'est un thruster. Ouais. Assez ouf. Et derrière, il fait quand même encore unbroken et muscle up jusqu'au 2024. 24, je crois. C'est solide. Je vous invite à aller voir cette perf. Sur les autres WOD, on avait du coup une fenêtre de 9 minutes, si je dis pas de bêtises, pour les filles, et 8 minutes pour les gars, où il fallait faire 2000 mètres de rameur et ensuite max de handstand walk dans le temps restant. T'aurais bien aimé ça. Ouais, mais j'aurais pas aimé 2000 mètres rameur. Ensuite, on avait le troisième WOD où du coup il y avait c'était des clean and jerk avec des shuttle run, donc moi, montée j'ai kiffé. De 1 à 10. J'ai kiffé parce qu'en fait ça met de la force quand même.
Ouais, 55 reps à voilà. 62, ça commence. Et ça lie quand même vraiment la base du crossfit, parce qu'il faut aller vite, parce que les shuttle runs, il y en a, et on en parlait tout à l'heure, ça crée quand même de la fatigue. Donc j'aime bien ces notions de ne pas avoir toujours un max, même si c'est un effet un peu... comme les French, c'est ce qu'on disait, ouais. c'est spectaculaire. Mais moi, j'aime bien ce principe. Ok. Et le troisième était plus endurance, où on avait là deux tours de 50 de burpee, box jump over, enchaîné avec 75 DU et 100 wall ball. Coton, ça. Un bon petit truc. Ça n'a rien à faire. Ouais, les doubles, sont là pour... C'est pour le goût, quoi. 75 versus 50 et 100. Ouais, ça ne sert à rien dans le... C'est pour faire 50, 75, 100. Ouais, sur le papier, c'est joli. Mais 50, 100, ça aurait été joli. Hein. Peut-être c'est beaucoup de couplets, il fallait un triplet, tu sais, aussi. Ouais. Pour voir. Enfin bref, du coup, donc, les qualifiés provisoires, c'est Jonakowski et Tim Paulson, qui sont du coup passés, à savoir que Jonakowski était passé du coup à deux points de la qualif avec Guillaume Briand au Strength in Depth. Et après, chez les filles, c'est Adrielle Lowen et Elena Caratala, qui a du coup gagné le French Rodin. Exact. Okay. Donc voilà, elle enchaîne. Belle semaine. Elle enchaîne. Et deux jours après. En plus, elle, au French, elle n'est pas impressionnante, mais quand elle wad, tu te dis, ok, elle fait son taf, tu vois. Ouais. J'ai vraiment aimé. Une force tranquille. Ok, on passe au débat. Pour le débat, les gars, on va parler un peu de la communauté dans le CrossFit. Comment bien gérer une communauté, comment bien en gros l'alimenter, la nourrir. Ici on a John du coup qui est owner à 100%. Du coup t'es à CrossFit de l'Est aussi, t'es owner. Non, je suis juste manager. Ouais, manager, mais c'est toi qui fais tourner la boutique. Ouais. Et on a Flo du coup qui est ici à CrossFit Jonas, et on a Rome du coup qui a eu l'expérience de faire monter CrossFit Croix-Rousse. Ancien manager aussi CrossFit Croix-Rousse. Voilà. Donc au niveau de la communauté, moi je pense qu'on va commencer par Rome. Au niveau de l'état d'esprit, comment créer un bon état d'esprit pour que ça se passe bien et que la communauté se nourrisse plutôt que elle éclate, quoi. Moi je pense qu'il est important c'est surtout d'accueillir les gens, de les appeler par leur prénom, de casser la glace tout de suite avec les nouveaux adhérents. Souvent ce qui se passe dans les box, c'est que, enfin moi à Croix-Rousse en tout cas, c'était une communauté qui n'avait pas forcément l'habitude du crossfit, donc qui ne connaissait pas forcément le crossfit. Donc quand ils passaient la porte, ils découvraient un petit peu le sport. Et tout de suite, ils se trouvaient accueillis, tout le monde venait les checker, donc ça c'est vraiment un gros plus. Je pense que le côté empathie du crossfit et communautaire sur l'esprit de groupe, il joue beaucoup et il inclut tout de suite toutes les personnes dans la séance. Et ce qui est important, je pense, c'est d'inclure un peu tout le monde dans la séance. Qu'on soit débutant, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 70 ans. Nous, on avait des adhérents qui avaient 15 ans, comme on en avait qui avaient 77, le plus vieux. Donc c'était cool, c'était que tout le monde, qu'on fasse le même WOD, ait à peu près le même score au tableau. Tout le monde ait vécu à peu près la même expérience. Et c'est ça qui était cool. En parlant de score au tableau, je sais que John, tu me disais un peu en off que toi, du coup, t'es pas pour mettre le score au tableau à la fin du WOD. Moi non plus. Toi non plus. Je sais que Flo, du coup, tu le fais. Tu le faisais toi à Croix-Rousse ou quoi? Nous, on le faisait par période. Des fois, on enlevait les scores. Ok. Mm. Et du coup, vous, l'intérêt tous les deux de ne pas mettre le score, il est où? En fait, la première, en fait, c'est que en mettant les scores, en fait, moi, personnellement, je me rendais compte que ça pousse tout le temps les gens à vouloir faire plus. C'est logique, d'accord? C'est un aspect performance. Alors que des fois, on privilégie plus le fait de dire, ok, concentre-toi sur ta technique, par exemple, de pull-ups, au lieu de faire du jumping, pour que tu puisses progresser, mais ça te fera faire moins de reps. Donc ça, c'est la première chose, c'est ne pas pousser les gens à se dire, je vais tout mettre dans de la limitation, même si le coach est là pour ça. On est bien d'accord, mais c'est une première chose. Et après, la deuxième, c'est que je me rendais compte, et je me rends compte maintenant, depuis que je note plus les scores, qu'on a bien moins de cross-mythos. C'est-à-dire cross-mythos, que, cross-mythos. En fait, il y en a toujours, mais ça véhicule pas, comme tu le disais tout à l'heure, une mauvaise ambiance, parce qu'en fait, les gens, ils se comptent pas. Donc voilà. Par contre, là où je suis d'accord sur le fait que c'est important, c'est que nous, quand on a, par exemple, avec Fit Process, qu'on a des watts de référence, quand on teste, par exemple, là, le 3 minutes toast to bar, qui est quelque chose de référent, ça, je le fais noter. Okay. Voilà, je le fais noter. On a, en gros, un peu un dossier où les gens peuvent noter tout ce qui est watts de référence et choses sur lesquelles ils vont se servir, par exemple, des pourcentages pour le back squat ou des choses comme ça. Un carnet d'entraînement. Mais ce qui est certain, c'est que
vraiment, moi, ça, je le changerais pour rien au monde. Ah, je rebondis un peu sur ce que tu disais, John, c'est que je pense que c'est important d'avoir des KPI, en gros, des données un peu chiffrées pour jauger de sa progression personnelle et pas se comparer aux autres. Et souvent, le piège du crossfitter, c'est un peu de se comparer à l'autre. Ouais. Et c'est ce qui entraîne des dérives de je triche dans les watts, je me rajoute des reps. C'est ce qui peut ajouter du coup une mauvaise ambiance. C'est ce qui crée, je pense, à un certain moment d'arrivée de vie dans la boxe. Il y a toujours un stade où il y a des petits conflits qui rentrent en jeu, il y a des clans un peu qui se créent. Et justement, le rôle du owner, le rôle du coach, c'est d'éviter ça en fait, c'est d'éviter que ça arrive, c'est désamorcer les conflits avant qu'ils arrivent, donc trouver un petit peu des subterfuges pour arranger un petit peu tout le monde et créer la communauté. Je pense que c'est un vrai rôle du coach que de faire ça. Et après, il y a plusieurs facteurs qui entraînent ces petits tracas. Juste pour rebondir sur ça, est-ce que toi, au Canada, tu sens que sur l'état d'esprit par rapport à ce que tu as pu coacher en France, est-ce qu'il y a vraiment une différence ou c'est tu retrouves pareil. La même chose. Moi, quand je suis parti, je pensais qu'il y avait beaucoup de différences, mais au final, tu sais, j'ai coaché un peu à Laval, j'ai coaché une autre salle par rapport où c'était vraiment très anglophone, et puis là, je suis vraiment de l'Est. C'est partout pareil. Et donc, c'est ça, la première raison, c'est il y avait trop de tricheurs. Donc nous, le propriétaire, il dit c'est terminé, on ne met plus score. Il y a aussi la réalité du Covid, on perd du temps à mettre les scores. Donc nous, si tu veux, on fait des séances sur 1h15, 1 heure d'entraînement, 15 minutes, les gens nettoyaient le matériel, ils lavaient tout ça, puis il faut que ça quitte pendant que les autres ils rentrent, il ne faut pas qu'il y ait trop de croisements. Donc noter les scores, tu as lui qui a dit « Ah, attends, j'ai fait 3 reps, ah non, attends, change !» Tu avais ça, et aussi, au-delà des tricheurs, tu avais les gens qui ne veulent pas qu'on mette leur score. Non, je veux pas qu'on mette mon score, je veux pas qu'on sache combien j'ai fait. Ça crée de l'anxiété, ça stresse le monde parce qu'ils veulent pas qu'on les, je sais pas comment dire. Les juge. Mais c'est. Ouais, c'est ça. Ils veulent pas être jugés et le fait qu'il y ait les scores sur le tableau. Mais moi, nous, on est comme toi. Oui. Nous, on passe par Google Drive. Oui, dedans, il y a une feuille de score. Puis ceux qui veulent, mais tu te rends compte, ceux qui veulent, c'est le noyau dur. Mmh. Donc il y a une 30, 35, et 40 scores qui rentrent sur peut-être une salle de, tu sais, un petit peu moins de 200 membres. Et surtout, moi, je me rends compte que le fait de noter les scores, ce qui est sûr, c'est que ça crée, on va dire, une dynamique. Et ça, c'est bien pour l'intensité. Mais au final, moi, je me rends compte que ceux qui créent cette dynamique, ils l'ont sans noter leur score. Exact. C'est-à-dire qu'ils vont voir le gars à la fin, il fait « Ah, j'ai vu que tu étais en même temps que moi sur les burpees, machin. » Et là où je rejoins Dino, c'est que moi, j'ai des personnes, quand je disais qu'il y a moins de mythos, c'est par exemple la petite mamette là, qui a 50 ans, qui veut pas montrer qu'elle est à deux tours de tout le monde. En fait, elle se rajoutait un peu des reps. Donc en soi, on s'en fout. Mais elle, ça l'a stressé un peu en disant mon score, machin. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que pour ça, moi, je suis. Moi, je trouvais dans la façon de coacher aussi, du coup, de noter le score, ça peut aussi t'obliger à être un peu meilleur coach dans le scaling, tu vois. Parce que du coup, l'objectif, c'est que tu t'appelles Michel, que t'es 70 ans et que tu découvres le CrossFit ou je sais pas, Paul, 20 ans, compétiteur. Paul, 20 ans, c'est bizarre. Paul, c'est plus 60. J'en avais. mais t'as raison, mais ça empêche pas que tu fais le scaling. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que pour le coach, en fait, ça unifiait les scores. Tu dises, je veux rebondir là-dessus parce que tu vois, bon, à jeune âge, je pense Flo, il va un peu contredire ce que vous avez tous dit. Du coup, à Genas, on note les scores. Je voulais savoir, toi, dans l'état d'esprit, comment tu le vois, ça, en fait. Bah, déjà, je pense qu'on a tout testé. Enfin, j'ai tout testé quand j'étais coach et maintenant que j'ai ouvert Genas. Ça, c'est la sagesse qui parle. Non, mais on a tout testé et au final, je me rends compte que les gens trichent quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr. Donc, parce qu'en fait, à la fin, ils vont parler avec leurs collègues, ils vont dire, ah, t'as fait combien? Et donc, plus 10. Au final, là, ça change rien. Il y aura toujours des tricheurs. Après, oui, ça les met pas en avant. Je pense, après, c'est plus un travail d'éducation, on va dire, avec le owner ou les coachs, à leur faire comprendre que, bon, au final, c'est pour eux, tu sais, ils trichent. Je pense qu'on est passé par toutes les phases où j'allais voir ceux qui trichaient en leur disant, ça sert à quoi que tu fasses ça. Maintenant, je m'en balègue total et il me dit, j'ai fait 10 tours. Bah, je note 10 tours et je mets même un check, genre bravo, t'es le champion du joueur. Puis après, il prend la douche pour les Open. Voilà, après, il y a toujours un moment donné où il y a longtemps de bâton. Donc, il se blesse avant les Open. Ouais, avant les Open, il a mal au dos. Donc, après, moi, au final, je m'en fous un peu des tricheurs. Ça m'intéresse pas, John. C'est juste la mauvaise ambiance. Ouais, je suis d'accord. Des fois, ça peut dire, il y a les gens qui disent, ah, lui, il a jamais fait ça. Ouais. Il y a des blablas. Ça crée des tensions. Mais après, c'est des blablas que tu peux là. Enfin, c'est facile à gérer, je trouve. Au fait que. Après, là où par contre, par rapport à ce qu'a dit Dino, je pense qu'il est au niveau du temps, par exemple, ça peut être pour des salles qui ont des cours où ça s'enchaîne, ça peut vite être problématique. Alors, nous, on n'a pas ce problème parce qu'on a un quart d'heure de battement entre les cours où
Voilà, ça c'est pour d'autres raisons, mais nous, je pense qu'on peut parler pour la communauté, tu vois, c'est exactement pour ça qu'on le fait, nous, les 15 minutes, pour que les gens ils aient le temps de déjà finir leur boîte tranquille, que le coach puisse parler avec eux, soit pas stressé, que les gens d'après et d'avant ils puissent se parler entre eux, et que ça soit pas moi je suis à 16h, je connais que les gens de 16h, moi je suis comme ça tout le monde peut parler. C'est vraiment une bonne chose. Ça, je pense, pour la communauté, c'est d'avoir un pour la communauté et même pour le coach. Ça. Tu vois, moi qui aimais bien pour dire coach, faut que je finisse au bon moment. Là, je me dis, si je vois que j'ai 5 minutes de retard ou que. Alors, je suis pas stable. Alors là, faut pas dire ça. Surtout quand il y a Lucas pas loin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que au final, tu termines pas forcément en retard. Mais Moi, je trouve que c'est bien de finir à l'heure. C'est habituel à être 5 minutes avant, mais tu as ce battement où en fait, tu discutes avec les gens. Tu peux aller Et que tu peux ranger le matos tranquille. On est les premiers à dire qu'il ne faut pas stresser les gens. Et en fait, on va dire, oh les gars, il y a le cours derrière. Je suis d'accord que pour les gens qui ont des cours où ils s'enchaînent, de noter les scores, tu perds du temps. Ça ne sert pas forcément à grand chose. Comme tu dis, ça sert pour un quart des gens de la boxe. C'est pas top. Après, je trouve que c'est bien aussi parce que ça les responsabilise aussi à compter un peu leur rep, parce que je vois, il y en a, ils arrivent à la salle, j'ai l'impression ils sont teubés complets, alors qu'ils font des boulots, et tu sais que c'est pas des teubés forcément, tu vois, mais est-ce qu'ils arrivent, ils sont off, et qu'on se trouve, c'est quand même bien de leur apprendre aussi, mais tu sais, on veut leur apprendre le pace par exemple, mais en fait, si tu n'arrives pas à compter 5 roll balls, c'est compliqué de comprendre à gérer un temps, tu vois. Est-ce que le fait de noter, tu as des gars, par exemple, ce matin, il y avait, à 11h, là, vous aviez une team assez compétiteur. Est-ce qu'eux, ils sont capables de se dire, OK, cette semaine, c'est une semaine tranquille. Après, je vais y aller tranquille et je vais noter 1 plus 4 alors qu'ils ont tous fait 3 plus 5. Si ça, ils n'arrivent pas à le faire, c'est plus la responsabilité pour moi. Tu vois, je la prends pour moi, je dis, OK, je leur ai pas, ils n'ont pas compris que c'était une semaine d'e-load et qu'ils y vont tranquille. S'ils le font pas, c'est de ma faute en tant que coach ou honneur, tu vois, j'aurais pas fait comprendre assez le truc. Et du coup, quel est l'intérêt que lui note 1 plus 4 alors que c'était pas forcément son focus, c'est bien de travailler son ego aussi, de dire moi je suis en déload, j'ai fait mon score. Enfin, toi, c'est un score, ça veut pas dire qu'il faut être meilleur que l'autre, mais pour moi, en tout cas, c'est pas ça. Tu veux pas tous les gagner. C'est juste, tu fais ton score, tu le notes, des fois t'es battu, des fois t'es. Sors l'ego. On va passer un peu à la suite du débat. Justement, on va sortir les gants. Non, je sais pas si ça, c'est toujours la communauté, on parle. Toujours la communauté. Okay. Moi, je pense qu'il est important pour avoir une bonne communauté, c'est que le owner de la boxe, il fasse sa boxe comme lui, il a envie. C'est sûr. Je pense que c'est ça le plus important, parce qu'en fait, si tu fais un truc qui te ressemble pas. Moi, je veux faire un truc avec des souvent on dit je veux pas de compétiteurs, mais en fait toi t'en fais, puis t'aimes bien, et puis en fait dans la salle t'as pas ça. Au bout d'un moment, la passion du truc, elle va s'estomper un peu, et du coup c'est là où l'ambiance tu vas moins être présent, de toute façon c'est la base de tout. Que ça soit à le honneur, je pense qu'il faut, avant qu'il ouvre sa salle ou quand il se repose des questions, c'est se dire quelle est ses valeurs, ma valeur à moi, en fait quelle est ma valeur et qu'est-ce que je veux retransmettre auprès des gens. Et faut pas, et après faut pas se dire Jonas ça cartonne parce que ils ont des bons compétiteurs, je vais mettre l'accent plus là. C'est le meilleur moyen pour se cracher, je pense. Moi, je vais donner un peu mon avis là-dessus. Moi, je pense que le fait On s'en bat les couilles. Juste, moi, ce que je trouve est quand même, on a pu le voir, on a eu la chance de faire tout ce truc l'année dernière où on est allé aux Games et tout. Mais du moment où tu as un peu une ferveur autour de quelque chose et que, comme tu dis, le honneur est bienveillant envers tout le monde, je pense que la recette, elle est bonne. Après, c'est sûr que c'est à l'image de chacun. T'en as qui vont plus privilégier la compète, d'autres qui vont privilégier les deux, d'autres qui vont vouloir vraiment se diriger plus, vers les maisons de retraite, les écoles, les trucs comme ça. Mais je trouve que du moment où t'as un point commun et que t'arrives à créer la ferveur autour de ça, je pense que toutes les recettes sont bonnes. Après, moi, je voulais votre avis sur qu'est-ce qui, pour vous, peut faire exploser une communauté dans une salle. Et qu'il faudrait du coup avant que Rome faire parle, attention. Parce qu'après on va être obligé de censurer du coup là je rebondis sur ce que Flo avait mis en avant avec Fit Process, c'est le fait que je pense qu'il ne faut pas créer des clans. C'est-à-dire que je prends Jonas par exemple, où il n'y a pas forcément meilleur niveau parce que vous avez fait les Games, vous avez fait le 3e, mais au final Kako elle a jamais eu peur de s'entraîner avec les gens et de se dire on est samedi matin, je me régale avec les gens, toi tu t'entraînes des fois avec les gens ou quand vous êtes en annexe vous vous mettez dans les canapes et vous discutez. Et moi, c'est ce que j'aime vraiment de Fit Process, et c'est pour ça que 100% on suit Fit Process, c'est de se dire que les compétiteurs, déjà, ils font un cours coaché où ils partagent ça avec les gens. Et ça, pour moi, je trouve que c'est exceptionnel parce qu'au final, l'honneur ou les coachs, ils n'ont rien à faire. Parce qu'en fait, c'est juste de dire, je fais mon job
et l'émulation, elle se crée dedans, en fait. Et pour moi, ça, c'est vraiment réussi. La valeur sûre. Et on en a bien assez discuté avec Flo, et pour moi, c'est... Du mais coup, ça rejoint son thème, là. Bah, tu vois, on va ouais. essayer de parler, mais ton thème, là. Du coup, ouais. mon Rom, pour toi, qu'est-ce qui pourrait faire exploser une communauté? Non, mais c'est vrai que par expérience, ce qui se passe dans les box, c'est qu'à un moment donné, en fait, il y a toujours des histoires de cul qui apparaissent. Et ça crée des tensions. Et quand tu dis par expérience. Par expérience, raconte-nous. De quel côté de l'expérience? Raconte-nous. On va rester sauf qu'il y a des enfants. Spectateur. Voilà, il est bandage de prendre. Livio, bouchez les oreilles. Non, non, mais c'est vrai qu'à arriver à un stade, les gens se mélangent, ils font des cours ensemble. Oui, non, mais c'est sûr que le crossfit, c'est la moyenne d'âge est entre 25 et 35 ans. Donc on va réunir des personnes qui ont plus ou moins les mêmes passions, les mêmes valeurs. Donc forcément, il y a des échanges. Et dans toute communauté, bah, il y a des gens qui. Il n'y a pas trop de tissu aussi qui se mettent ensemble. C'est vite chaud. Vite chaud. Il fait vite chaud au CrossFit et surtout l'été. Et en plus, bah, arrivé à un moment, en fait, du coup, il y a un tel ou un tel qui sort avec un tel ou un tel. Au bout d'un moment, forcément, ça finit par ouais, s'arrêter. Et puis, ça fait vite des histoires de jalousie. Ça peut créer des tensions. Donc, c'est vrai que je pense qu'en tant que owner, en tant que coach, il faut aussi avoir un regard un petit peu responsable sans rentrer dans la vie privée des gens. C'est difficile de réussir à poser un peu des limites. C'est compliqué à maîtriser, mais juste, ouais. Tu vois, il y a des situations où tu les sens un peu venir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah ouais, tu les sens un peu venir. Ouais, tu sens bien, ouais. Tu vois, en fait, c'est juste pour préserver l'ambiance de la salle et que ça se dégrade pas, ça se contamine pas sur les adhérents. Il y a deux choses qui cassent la communauté, moi je pense, c'est ça, mais ça comme... pas gérable, c'est difficile de dire non, tu sais les gars, tu peux pas. Pas touche. Ouais. Peut-être tu fais des team time ou fais des sorties, arrêtez, c'est sûr que ça va arriver. Bordel. Mais le deuxième, c'est, tu parlais de ça, c'est les compétiteurs. Nous, c'est arrivé à la salle avant que j'arrive à CrossFit de l'Est, donc je parle de l'histoire que je connais sans juger parce que j'étais pas là. T'as les compétiteurs qui commencent à dire ce qu'on fait dans le cours de groupe, ça sert plus, c'est pas assez, il faut que j'en fasse plus, donc ils se mettent. Là, ils prennent des bikes, ils font du bruit, ils prennent des barres. Et ça, en fait, ça fait peur au monde, si tu veux. Donc le monde a peur, le monde ne sait pas comment se placer par rapport au groupe de compétiteurs qui se pensent au-dessus. Et ça fait, mettons l'histoire qu'il y a à De l'Est dans le temps, là. Les gars ont commencé à suivre notre prog. Le propriétaire a dit non, mais je peux vous payer une prog, tout ça. Ils ont installé une prog, finalement, ils sont partis en compétition. Puis c'était appelé, je ne sais plus, tu te rappelles, Elie, c'était quoi leur nom d'équipe? C'était un truc du genre, pas de maison, là, mais en anglais, là. Homeless, ils étaient homeless, le propriétaire a genre fouté de ma gueule. Bon, bref, grosse histoire, viré du gym, tout ça, tu sais. Ouais. Donc, il y a les histoires comme ça, comme tu dis, mais il y a aussi le groupe compétiteur, s'il prend le dessus. Tu sais, mettons que le owner, toi, t'es compétiteur, tu sais, mais le owner est pas très là-dedans. Ouais, il comprend pas tout. Juste, Dino, j'ai envie de te féliciter. Vas-y, je peux te serrer la main. Ah, merci. Parce que tu viens de me faire une transition magique sur le dernier point de communauté. Ah, magnifique. En gros, c'est justement le rapport entre le owner et les compétiteurs. Ah, ouais. C'est exactement le contre-exemple que tu viens de nous donner. Je sais que Flo, tu avais fait un post il y a un moment sur Fit Process. Je pense qu'on pourrait le remettre au bout du jour, mais ça rejoint. Et du coup, toi, tu as trouvé une solution. Je pense que tu peux peut-être nous l'expliquer. Franchement, je pense qu'on a discuté avec John pendant pas mal de temps. Ouais. Au début, c'était un sujet où je disais ouais, mais c'est alors il me disait non. En fait, il me disait non. Je disais c'est compliqué pour les. Non, mais c'est vrai. Au début, je disais c'est compliqué en fait à mettre en place parce que pour programmer, c'est beaucoup plus difficile quand tu programmes que pour une prog des gens qui font le cours. C'est pour moi, je trouve ça assez simple. Quand après, tu dis maintenant, il y a les compétiteurs auxquels le gars il vise les demi-finales. Mais en même temps, il faut qu'il s'entraîne avec quelqu'un qui vient juste pour sa santé, c'est tranquille. Faut la programmation, là, elle devient beaucoup plus challengeante. Donc, au début, je disais à John, franchement, ça peut être cool. Tu vois, je voyais le positif, mais d'un autre côté, je me disais, putain, comment je vais arriver à programmer? Et en fait, je me suis penché dessus. Après, on a reparlé avec John et puis j'ai dit, vas-y, on essaye, on va tenter un truc. Et puis, en fait, c'est, je pense, le meilleur format qui existe. Ouais. Hein, Donc, pour rappeler, sur la prog Fit Process, la prog compète Fit Process, donc on a toujours le blog principal avec le WOD, c'est le même WOD que la prog classique, donc ce que les owners font à leurs adhérents. Et du coup, donc en plus de ce blog qui comporte souvent un skill et un renfo ou du squat ou de l'haltéro ou de la gym, du coup, je remets dans ma phrase. En gros, dans la prog de la boxe, il y a le WOD que tout le monde fait, peu importe si tu veux aller aux games ou si tu veux juste te mettre en meilleure santé. T'as le skill qui est le même, mais pas tous les jours. Prends un exemple, c'est un skill toast to bar. Le compétiteur, il va peut-être faire un MOM toast to bar marchant les mains, par exemple, aujourd'hui, alors que les autres vont faire juste des toast to bar, apprendre à progresser sur le toast to bar. Mais ça reste le même, ils sont dans le même groupe, ils sont là.
Donc c'est au coach de s'adapter. Donc le rôle du coach aussi, je trouve, il est mis plus en valeur que, c'est sûr, qu'au final faire du cours où il n'y a pas vraiment de skill et juste des wods. Puis comme tu dis, ça pousse aussi à plus travailler en tant que coach que justement faire le wod. Donc d'un moment, tu t'essouffles. Ouais, c'est ça. On fonctionne comme ça aussi. C'est ça. Et les compétiteurs ont un bloc en plus à faire ou deux des fois dans la journée. Ah, je pensais. Moi, c'est vrai que c'est un bon format. Voir. Vous faites ça aussi. On fait ça la plupart du temps. Là, tu sais, le wod est commun. Ouais. Et quand ils changent, c'est vraiment, tu sais, c'est peut-être les reps. Mais tu sais, quand c'est des fenêtres, un peu comme le WOD, là, tu sais, 2 minutes on, 1 minute off. Ouais. Des fois, c'est peut-être les reps qui changent et l'intensité, le poids. Ouais. Mais si tu veux, tu sais, si tu t'entraînes, Lucas s'entraîne avec quelqu'un, il va même pas le voir l'autre. Ouais. Tu sais, moi, je fais 7-5-3, puis lui, il fait 9-7-5. Ouais, c'est en même temps. Mais en fait, il s'en aperçoit même pas. Pour moi, c'est, en fait, c'est du crossfit. Mais c'est oui, l'adaptation. Sinon, le WOD, c'est sûr. Pour moi, c'est juste de l'adaptation, donc c'est exactement c'est ce qu'on apprend. Même, crois, bah ouais, enfin moi, c'est ce que. Puis ça force le monde à faire le cours de groupe aussi, si c'est ça. Exactement. Et ça, c'est important parce que moi, je suis le premier à me faire des fois l'avocat du diable. On a un groupe les honneurs sur Facebook où ils râlent contre les globo gym qui font du pseudo crossfit, tout ça. Mais en fait, il y a beaucoup de box. Qui font ça en fait. Sauf qu'ils font payer 80 balles, 100 balles pour aller faire du libre accès. Mais moi, je le dis aux gens qui sont à ma salle, ils viennent pas pour ça, mais je leur dis, mais en fait, ne payez pas ce tarif, alors que Basic Fit, ils ont du matos que j'aurais jamais, et vous paierez moins cher. Donc à un moment donné, il y a ça. Non, mais c'est sûr que les box, il faut qu'on se démarque, parce qu'au final, maintenant, dans tous les fitness parks ou trucs, il y a des zones cross-training. Et là, où ce qu'ils n'auront pas, eux, par rapport à l'argent qu'ils ont, c'est la passion que nous on peut amener, le coaching, l'éducation et le coaching, je pense. Et puis la communauté. Et après, je pense que, je rebondis juste sur ça, c'est le fait de faire aux compétiteurs, en gros, les WOD classiques, des fois ça les fait redescendre un peu. C'est-à-dire que ce que je disais avec CrossFit Jonas, c'est qu'en fait, chacun, vous quatre qui allez aux Games, en fait, j'ai jamais connu quelqu'un, et Dieu sait qu'on se parle souvent quand même, qui se sentait au-dessus du lot et machin. Lucas, un peu. Ouais. C'est le présentateur. Ouais, mais alors qu'il y en a, quand tu vas dans des compétitions, même des compétitions un peu locales, ils ont l'impression, ce qu'on disait là, c'est des champions de leur gym parce qu'ils s'entraînent hors, et ça leur donne de la valeur en fait. C'est-à-dire que quand tu fais une programmation que les autres ne font pas, bah, ça te donne de la valeur. Donc, t'es genre au-dessus alors voilà. Que tu ne sais même pas, parce que tu ne fais pas la même chose. Même pas en fait. Et puis je pense que tu as pas mal de compétiteurs qui suivent la compète et qui se font aussi rooster par des gens qui viennent juste faire la classique. Ah bah, c'est ça qui est intéressant. L'exemple, hein. J'ai mon Pascal qui est, je crois, 40, je ne vais pas dire que je crois qu'il a 47, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il met des roosts à tous les compétiteurs au moins une fois, voire deux fois dans la semaine, et il leur met des belles roosts. Hein, et ça fait du bien à tout le monde. Ça leur fait du bien. Et lui aussi, ça me fait du bien. On s'arrêtera là-dessus, Pascal. On passe du coup au petit jeu. Le petit jeu, ça va être assez simple. Déjà, comment on va faire? Je pense que je vais mettre à la place de Rome. À savoir que le jeu est sponsorisé par FP. C'est le nouveau matériel pour Livio. Ok. Il a attaqué l'entraînement hier. Il y a encore un peu de magnésie dessus. Ah, il est mouillé le bandeau, fais gaffe. Donc, les gars, on a un petit jeu. Comme j'expliquais au début de la vidéo, en fait, je vais vous poser des questions simples sur la chaîne Fit Process, donc YouTube, qui est du coup créée depuis un peu plus d'un an maintenant. Et qui cartonne. Cartonne. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. Bon, dernièrement, on a eu un peu moins de contenu, donc un peu moins évident d'alimenter. Mais par contre, là, on vous prévoit pas mal de choses pour l'été. Je vous explique les règles. Je vous pose une question. J'interroge, et d'ailleurs, on aura un juge. Tu nous diras du coup qui tape le premier. Ça va être assez simple à voir la vidéo. Hein. L'objectif, c'est simple. Je pose la question. Vous attendez que j'ai terminé de parler. Je tape. Le premier qui tape, on interroge. Pas comme John qui a répondu avant que tu poses la question tout à l'heure. Bon, écoutez bien. C'était pas écrit dans les standards. Écoutez bien. Si jamais on a une mauvaise réponse, on ne peut pas retaper ou re-répondre tant que les trois autres n'ont pas répondu. Ah, ok. Donc ça évitera de s'emballer à dire et voilà. Ça arrive toi de convergence. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Quelle est la vidéo la plus vue? Vlog des Games, dernière partie. Le vlog des Games, mais première partie. Oui, ouais, c'est exactement ça. Une chance sur deux. Un point pour Sophie. Tu lui as donné la réponse. J'ai cru que c'était toi qui étais dans le froid. On coupera ça. Lui répond que là où il est dans les vidéos.
Vous êtes prêts? Ah, t'as répondu. Disqualifié. Quelle est la première vidéo? Présentation magnifique. Bravo. Merci les gars. Un point pour mon John. Dans combien de vidéos voit-on apparaître John? Oh. 3. Non. J'ai tenté. Apparaître John. 4. Quand même pas mal. Non. Tu sais même pas? Non. C'est toi. Il me demande pas des fois. Franchement. Je dirais. T'as dit 3 et 4? Bah 5? Non. Plus ou moins? Plus. Bah moi c'est juste 2. 7? Non. 6. Les gars, je vous arrête. 11 vidéos. Oh, mais t'es l'acteur principal ou quoi? Ah ouais. 22.3 by night. Le test bolt. Le talk avec les 5 principes de fit process. Le bain glacé avec moi en guess. Oui, la petite quéquette. les 3 pièges du crossfit. Le inside des Berjali. Le vlog des Marseille Throwdown. Ah ouais. La neuro pour les nuls. Tu passes bien la caméra. Ouais. La présentation santé. Ouais, c'est vrai. J'ai mis escargot. En fait, bain glacé, c'était quand tu nous expliquais escargot. Alors, bain glacé, c'est quand tu nous as expliqué le froid. Tu nous as expliqué le froid. Escargot, c'est la vidéo où je suis en guest et vous comprendrez pourquoi si vous allez la voir. Je vous invite à aller la regarder. Faut une loupe pour aller la vidéo. Ouais, il y a du courage dans cette vidéo. Et la dernière, c'est le vlog de 100%. Ok. Et ouais, les gars, vous suivez pas. Vous suivez pas la chaîne. Ça, tu dis que okay. Tu fais jamais assez de trucs et tout. Tu Donc ben votez pour les publications parce que je veux plus que j'en fasse. Ensuite, vous êtes prêts? Oui. Combien de vidéos ont plus de 10 000 vues? 3. C'est faux. 2. C'est faux. Ah. 5. Oui, Floppy. Je suis sûr que ça balance. C'est passé. Il y a des. On va regarder la barre. Un point bonus si vous me donnez les 5 vidéos. Oh. Bah, les deux games, ça. Les 4 premières. Les 4 vlogs des games. Personne tape là, c'est free. Non, c'est un point bonus. Ah, mais non, je le sens pas, je l'ai pas. Ouais. Franchement, les 4 des games, il y en a une. Les 4 des games? Non, il y en a une, c'est quoi l'autre? C'est les 5 des games. Ah, les 5 des games. Ah, c'est les 5 des games? Putain, c'est pas grave, pas de point de bonus. Ok. Eh bien. Ok, on passe à la suite. Combien de vidéos ont l'intitulé tuto? 4. Non. J'aurais pas de points. Moins. J'aurais pas de points en plus. Bah, je sais pas. Ah, tu lui as dit à ton. 5. Non. 7. Non. Ah, t'as une chance, Rob. Putain. 3 ou 8. Tu décides. Allez, Rob, faut taper. 9. Eh ben non, c'est 2. On a le tuto manique et le tuto rope climb. Oh, il y a le grip aussi, je crois. C'est pas un tuto. Salaud. C'est comment bien utiliser son grip. J'ai dit l'intitulé tuto. Attention, les gars, faut suivre. C'est pas grave, pas de points distribués. Il nous reste... Allez, on va faire la petite question bonus où Flo ne peut pas répondre. Ah, quel est le mot préféré pour clôturer les vidéos de Flo? Allez, ah, ciao. Oui. Non, c'est pas ça. Bye. Oui. Papa. Mais belle triche. Caco. Un point pour mon John. On a égalité entre Flo et John. Allez, bye. C'est vrai, en plus. Bye. Bye. Le petit pouce bleu. Attention, question suivante. Pour quel mot... à quel mot a commencé le Fit Process Show? Quel mois? Janvier. Non. Merde. Février. Non. C'est l'auteur. Décembre. Non. Ah merde. En avril. Putain, j'en sais rien. Faut taper. Ouais. Mars. Non. Vas-y, vous pouvez continuer. Novembre. Vous allez bien y arriver à un moment. Novembre. Faut taper les gars. Novembre. Non. Octobre. Oui. Ah, point bonus. Vous n'avez pas le droit de redire normalement. Ouais, mais les gars, vous mais êtes. Oui, à un moment donné, il faut se réveiller. Hein. Tout le monde. Ouais, merci. Octobre, les gars, depuis octobre, à savoir que vous pouvez tous les retrouver sur la chaîne YouTube. Et on est depuis, on a la version du coup d'avril qui est sur Spotify et même toutes les plateformes. Et du coup, donc la version avril-mai, et on mettra cette version-là aussi sur Spotify. J'espère que vous l'écoutez sur Spotify à ce moment-là où je parle. Dernière question, à savoir que Flo il y a 2 points, Dino 0, Romain 0 et John 3. Moi je suis excusable. Il reste une question. Attention, ça va aller très vite. Elle vaut combien de points cette question? 3. 3 points. Ça les a on leur fait combien de points? 3 points? Non, 5, mais non. 5 points. 5. Bah, allez, ça y est. Allez, 5 points. Que tu fasses 3 ou 20 points, ça va être pareil. Le résultat le même. Quel est le dernier concept des vidéos fitness? Ah non, putain, c'est chez Cartable.
Shaker, Tabata. Il donne la réponse. Oh putain, j'ai donné la réponse. Ok, donc John, grand vainqueur. Merci. C'est sûr que tu as fait une vidéo. Tu m'as dédié cette vidéo avec tout. Bah, Fit Process, parce que sans eux, je serais pas là et, et ça me touche, quoi. Ok, donc voilà pour ce Fit Process Show du mois. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, suivre le contenu et faire des suggestions en commentaire. Merci à Dino, merci à John, merci à Rome d'avoir été présent. Et merci à Kako qui, du coup, s'est occupé de Livio. C'est pour ça qu'elle a disparu. Et qui donne les réponses à John aussi. Allez, ça va, ça va. Non, j'ai pas vu ça. Mais non, j'ai pas vu ça. Mais vous verrez sur la vidéo, de toute façon. Bon, apparemment, c'est une conspiration. C'est pas grave. Merci à vous. Et du coup, on dit quoi? 1, 2, 3, bye!